Il s'agit de la première proposition d'amendement à la Constitution depuis 14 ans. Le comité central du Parti communiste chinois a proposé d'ajouter à la Constitution la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. Les principales réalisations théoriques, les principes et les politiques adoptées lors du 19e congrès national du PCC devraient également y apparaître. Quant à la réforme de l'organe de supervision nationale chinoise, elle y est soulignée pour renforcer l'autodiscipline du parti et du pays. Le communiqué de la réunion indique que l'amendement ne devrait affecter qu'une partie de la Constitution. Il s'agit d'assurer sa cohérence, sa stabilité et son autorité. Le communiqué précise qu'il est essentiel de saisir l'occasion pour faire progresser la gouvernance fondée sur le droit. La Constitution chinoise actuelle a été adoptée en 1982. Elle a connu 4 amendements. Le premier a permis au secteur privé de l'économie d'exister et de se développer dans la prescription de la loi. Le deuxième amendement a remplacé les pratiques de l'ancienne économie planifiée par une économie de marché socialiste. Le troisième a clarifié le principe de la gouvernance du pays en vertu de l'état de droit. Le dernier a enfin souligné la protection de la propriété privée légale des citoyens. Les principes de l'amendement actuel comprennent le maintien de la direction du PCC, une voie de justice du socialisme aux caractéristiques chinoises, une position politique adaptée, les directives et des procédures juridiques strictes et une démocratie complète. Les amendements à la Constitution passeront par un processus très strict pour être légalisés. Après que les membres de l'Assemblée populaire nationale auront proposé les amendements à certaines sections de la Constitution, les amendements seront expliqués lors de la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale en mars et un vote aura lieu pour légaliser les changements.